On est dans le cadre de préparatifs d'une grande exposition qui regroupe trois collections. La collection de la Fondation nationale des musées, la collection de l'Académie du Royaume du Maroc et la collection du ministère de la Culture. Donc cette exposition essayera de retracer un peu le parcours de l'histoire de la création artistique marocaine. Comme ce que je disais tout à l'heure, depuis Ben Ali Rabati à nos jours, avec une centaine d'œuvres majeures de maîtres et une centaine d'œuvres importantes qui peuvent être considérées comme des jalons pour la création artistique marocaine. Donc des noms de grands peintres marocains qui ont marqué la scène nationale et internationale, comme Chalkaoui, Gharbaoui, Mlihi, Hamidi, Belkahia, Qassimi, Belamine, Rabi et des artistes bien évidemment contemporains, comme des artistes contemporains qui ont réussi à trouver leur place, à confirmer leur place sur la scène nationale et internationale. Cette expo va débuter à la fin du mois de juillet, donc elle sera prête à partir du 25 juillet, qu'on a proposé comme date butoir pour pouvoir mettre en place définitivement cette exposition. Nous sommes dans la première salle de l'exposition des premiers peintres marocains. Parlez-nous de quelques tableaux. C'est le résultat de la rencontre des Marocains avec la peinture de chevalier. Déjà avec Ben Ali Rabati en particulier, 1914-1916. C'est le premier artiste marocain qu'on connaît. Après, on a des artistes qui vont le suivre et essentiellement qui sont issus de ce phénomène d'acculturation avec les Européens au nord du Maroc, à Tanger et à Tétouan, comme Srarini par exemple, 1938, Mekim Rara juste après. Donc, de l'autre côté, on a des artistes comme Al-Hamri, Mohamed ou Yaqoubi. Que représentent les tableaux qui sont derrière nous? Alors, les œuvres qui sont derrière nous sont les œuvres de la première école académique installée au Maroc, l'école de Tétouan à partir de 1945. L'école de Bertucci, ce qu'on appelle l'école de Bertucci, et les premiers Marocains qui vont partir pour se former dans le domaine artistique. Donc on a Srarini, qui est juste derrière, on a Mlihi qui a fait cette école, on a Abdallah Al-Fakhar, on a Mekim Rara, et on a d'autres artistes marocains qui vont partir pour se former ailleurs. Dans cette salle, en fait, on est à un moment particulier dans l'histoire de l'art au Maroc, durant les années 60, le retour des Marocains, la libération du Maroc, le retour du Marocain de l'extérieur, la naissance d'une intelligentsia marocaine avec des fondements culturels, des recherches, l'installation d'une école à Casablanca, l'arrivée de Mlihi, de Shba et de Belkahia à Casa, Mustafa Hafid, Hamidi. Finalement, il va y avoir également avec ces gens Malika Gzenei, qui est considérée comme l'une des premières femmes à avoir fait une formation artistique à l'école de Casa. Dans cette troisième salle, nous sommes dans l'ère des années 70-80. Ouais. Derrière vous, un très beau tableau. Ouais. C'est celui de Miloud Lbiad. Miloud Lbiad, l'un des artistes majeurs de cette période, qui a gravité autour de ce mouvement de Casablanca, à l'image de Al-Qassimi, à l'image aussi de Fouad Belamine, qui a pu forger son style et qui aujourd'hui est représenté dans cette salle avec ses deux belles œuvres. Face à lui, il y a aussi le grand Rabaoui, donc auquel on va consacrer prochainement une belle exposition. Rabaoui, c'est l'un des fondateurs de la modernité au Maroc.
Cette période des années 80 et des années 90 était florissante. On a proposé de faire plusieurs thématiques. Dans l'une des thématiques qui est récurrente dans la création artistique marocaine de cette période, c'est le travail sur le corps. Le corps chez un artiste comme Qassimi, chez l'Amrani, chez un artiste comme Talal, ou un artiste comme Hassani, ou d'autres artistes qui sont moins connus. L'expression spontanée a eu également sa place dans cette expo, avec des artistes comme Shaibia, Talal, Fatima Hassan, Farouj, Mohamed Tabbal, Krifla, et finalement d'autres artistes qui ont travaillé sur une thématique plus ou moins, des autodidactes qui ont travaillé sur d'autres thématiques à l'issue de Abbas Saladi. Donc cette salle est dédiée à cet ensemble d'artistes. Thank you.